Ouais, ça va, chers amis, ok, bien, voilà. En fait, dernièrement aux nouvelles, nous apprenions que la ville de Montréal, la ville où je demeure, était la ville la plus polluée au monde. Ok? Mais cela était dû aux les nombreux feux de forêt qui dans la province. La fumée venait sur la ville de Montréal et ça rendait la ville vraiment polluée. Hein? C'était dit que c'était comme un peu comme vivre dans un appartement, dans une pièce, une chambre, avec quatre ou cinq fumeurs où on respire la fumée. Hein? Et, en fait, c'est ça. En fait, c'était très difficile de se promener sur la rue. On sentait, ça touchait un petit peu la gorge. Les gens mettaient des masques. En fait, c'était très, 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 très pollué. Ça n'existe pas dans le monde spirituel. Ça n'existe pas jamais, jamais dans le monde spirituel. C'est seulement dans le monde matériel que ces choses arrivent, OK? Fait qu'il faut vraiment prendre au sérieux le retour à Krishna et ne plus avoir à vivre dans une des villes polluées. Alright? OK, bon retour à Krishna et à la prochaine pensée du jour. Avec Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.